c'est lié, mais l'arrivée des Fab Labs. Ouais, c'est un peu lié. Ouais. Voilà, tout donc, ça. En gros, les hackerspaces ont commencé à se créer en France. Il y en a un qui s'est créé il y a quelques années à Dijon. Et puis ensuite, c'était complètement mort. De toute manière, sur Paris, ça n'a jamais réellement existé. Il y a eu des faux clubs de pirates, genre le CCCF, qui était implanté pas loin d'ailleurs. Mais il n'y avait pas réellement de mouvement. Et donc, quand il y a des Français qui se sont retrouvés dans une conférence de hackers, ils se sont dit, tiens, on va monter un hackerspace à Paris. Et il y a eu l'opportunité de monter un hackerspace à Vitry. Et donc, ça s'est fait comme ça. Donc, c'est maintenant il y a 2 ans et demi. Il y a le premier hackerspace à Paris qui s'est créé. C'était pas le premier hackerspace en France. Ensuite, nous, on a essayé de faire en sorte que toutes les personnes qui venaient au hackerspace passent le plus de temps à se dire, tiens, comment je vais faire mon propre hackerspace dans mon coin, c'est-à-dire dans ma ville, dans mon quartier, etc., pour que ça se ramifie, justement. Et du coup, au bout d'un certain temps, il y a vraiment des projets qui ont pris forme et qui ont créé un hackerspace, le Theta Lab à Toulouse, un hackerspace dans le 13e, la Suite Logique, un hackerspace dans le 17e, dans le 18e... un hackerspace plutôt orienté biologique hacking, donc du hack biologique, où un gars fait des expériences sur des ferments et faire des choses créatives avec les ferments. Donc voilà, il y a plein de choses qui se sont créées. Et du coup, ça c'est quand même ramifié avec tout un groupe de hackerspace dans le monde, 250-300 espaces, qui sont des laboratoires où il y a des projets open source, qui sont créés, où il y a des séances qui sont plus pour expliquer la technologie aux gens. Et puis, il y a aussi, très simplement, des gens qui font du hack physique. Et notamment, il y en a un qui est la construction de machines par des machines. C'est ce qu'on appelle le Fab Lab. Et c'est des laboratoires pour fabriquer d'autres choses. Actuellement, on a quasiment tous des imprimantes chez nous. Dans le futur, l'idée, c'est qu'on ait des imprimantes en 3D. Qui puisse te faire cet objet-là, cache de caméra ou un stylo. Et peut-être même imprimer des choses qui seront plus complexes, qui seront comme un téléphone portable, parce qu'on sera capable d'imprimer des micro-circuits. Là, actuellement, il y a de nouveaux transferts d'informations, peut-être de pouvoir, en tout cas de responsabilité, entre différents acteurs. On voit que le secteur gouvernemental, public, a de plus en plus, soit de mal par manque de financement de la part des politiques, à assumer ces tâches très importantes, et d'autres fois sont poussés par le politique vers des logiques spectaculaires, comme sur l'insécurité, ça paye vraiment et ça rend les gens dociles de croire qu'ils sont dans une insécurité permanente. Donc du coup, on est vraiment dans des transferts de pouvoir qui existent, et où quelque part, quelqu'un qui assume une responsabilité, sous forme associative, sous forme de société, sous quelque forme, va être quasiment accepté et va être mis de facto comme responsable. Nous, ce qu'on essaye de détecter, c'est de voir quelles propositions on peut faire. Ça peut être des outils technologiques, des nouvelles applications sur Internet, qui vont peut-être structurer ou changer la manière dont on communique, mais pour avoir plus de communication, des communications plus rapides, plus sécurisées, plus... tranquille, quelque part, où on a moins besoin de se soucier de ce qui se passe. Avant, on avait des soucis pour se demander est-ce qu'il a eu ma lettre. Maintenant, on envoie des emails, on est quasiment sûr que les emails arrivent. Et ensuite, ça sera est-ce que je suis sûr qu'il n'y a que nous deux qui l'ayons lu. Donc, c'est un peu tout ce changement de société qui est en train de se faire avec les moyens de communication, avec Internet. Et d'un autre côté, tu as des forces qui veulent contrôler ça, qui veulent réduire l'anonymat, qui veulent pouvoir tout le temps espionner tout. Quelque part, c'est des forces qui vont contre les dynamiques qu'on a lancées, les dynamiques d'Internet. C'est comme si tu disais, sur Internet, sur le téléphone, tu peux appeler n'importe qui, mais il faut que tu attendes 3 minutes pour qu'il y ait un agent de vérification qui ait vérifié que vous aviez le droit de vous mettre en communication. C'est débile. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que ça va contre la logique du téléphone. Ben là, ce qu'ils sont en train de mettre en place au niveau des lois, c'est des logiques qui vont contre la logique d'Internet. Et donc, du coup, nous, en faisant, par exemple, la conférence Acquito Ergo Sum, le but, c'était de mettre en place un transfert de connaissances, peut-être même un transfert de responsabilité, qui permette de structurer l'information sur la sécurité, donc sur notre sécurité, de manière plus libre, c'est-à-dire de permettre ce qu'on appelle la full disclosure, c'est-à-dire l'expression libre et complète de problèmes. Aux États-Unis, tu as des lois
qui ont été créés dans les années 70 suite au grand scandale du Watergate, pour ce qu'on appelle les whistleblowers, c'est les tireurs d'alerte. Ils tirent la sonnerie d'alarme et ils disent « attention, il y a un problème ». Il y a des lois qui protègent ces gens-là. En France, comme aux États-Unis d'ailleurs, maintenant, il y a un ressac des libertés. C'est-à-dire qu'il y a plein de lois qui sont assez liberticides, qui sont mises en place. Mais on n'a pas les lois qui permettaient réellement d'avoir une influence du public sur la nécessité de transparence des grosses entreprises, du gouvernement. Donc il y a plein de lois comme ça, les actions de classe, les sonneurs d'alerte. Bref, plein de lois qui manquent en France. Donc ça veut dire que quelque part, même si c'est les États-Unis qui ont initié des lois assez liberticides dans le domaine des nouvelles technologies, c'est en France où on va subir le plus fortement l'influence de ces lois qui sont prises verbatim directement des États-Unis, converties au niveau du droit européen et au niveau du droit français. Et comme fondamentalement les politiques, ils ne s'impliquent pas assez dans les projets, ils font confiance à des experts qui ne sont pas forcément indépendants, et bien on se retrouve avec des lois qui sont vraiment encore plus néfastes ici en France qu'à leur origine aux États-Unis. Et c'est le cas avec la loi DATSI en France, qui est une conversion de la loi DMCA, ou DMCA aux États-Unis, qui est vraiment très très dangereuse ici. Donc nous, notre rôle, c'est justement de pousser pour une transparence, pour une explication, parce que quand tu te retrouves face à un texte de loi 300 pages, avec 900 amendements, t'es humain comme moi, et ben, tu ne peux pas le lire, c'est pas possible. Faut avoir une armée de juristes qui va s'occuper de ça. Bon, il y a des associations, il y a des gens qui font ce travail pour la société civile. Mais c'est anormal qu'on ait quelque part une manque de responsabilité des hommes politiques face, et des femmes politiques, soyons égalitaires, face à ces questions-là. Ils s'impliquent pas assez, ils font pas assez bien leur job. Que quelques personnes, il y a peut-être dans le monde politique, il y a une personne qui s'est vraiment collée dans le problème, c'était Michel Rocard. Tu vois. Et pourtant, le gars, il n'est pas de sa première fraîcheur. C'est quelqu'un qui a quasiment fini sa vie politique. Alors, quand on voit des gens comme Madame Albanel, notre ex-ministre de la Culture, qui disait qu'il y a un firewall dans Microsoft Office, tu regardes des choses comme ça et tu fais « Ok, c'est elle qui pousse pour la DATSI, pour Adopi et compagnie ?» C'est n'importe quoi. Ça veut dire que c'est des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Là, j'aimerais quelque part qu'il y ait vraiment un service après-vote, que les gens qui soient incompétents, eh ben, qu'ils soient virés. Bon, éventuellement, elle s'est fait virer, hein, c'est clair. Mais quelque part, c'est pas normal. Et surtout quand ça implique la vie de tant de millions de personnes. Donc c'est un peu notre rôle de... Ben, on peut pas faire grand-chose, mais au moins on peut s'exprimer. Encore.